Je suis fière de moi d'avoir tenu un vlog sur 3 jours. Every night I try to love, but your heart is made of stone. All my tears, they fall like rain, yet you leave me here alone. I give you all I have inside, you pretend it's all pretend. Your empty eyes, they break me down. Will this time... Bon, bah, vous me voyez avec une tronche un peu bizarre, genre mes sourcils qui sortent par rapport au reste de mon visage. C'est juste qu'en fait, je suis pas maquillée, je maquille juste mes sourcils parce que je vais à la masterclass de Huda Beauty pour tester le nouveau fond de teint. Donc, on nous a demandé de venir complètement démaquiller pour qu'on puisse voir l'effet tout simplement sur la peau. Donc, je suis un petit peu en retard. On y va! Alors je viens de rentrer, alors je sais pas où vous mettre parce que je suis dans la voiture de ma soeur, parce que ma voiture on est à son 1 milliardième de problème. Je vais vraiment pas vous expliquer parce que c'est inintéressant possible. Je vais tenir le téléphone comme ça. Bon, alors c'était très sympa, j'exagérais sur le chemin quand je disais qu'il y a beaucoup à dire. C'est juste que en fait chaque année qui avance, je sais que j'ai l'air jeune, donc c'est pas grave, ouais, osef. Mais je sais que je suis certainement la plus vieille des influenceuses dans la place. Et en fait, ça me rend... Avant, ça me dérangeait, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Et maintenant, presque, ça me rend fière. Ça me donne un... ça me fait un peu genre... Je suis votre tantine, en fait. Moi, je suis là depuis... Vous étiez au collège, en maternelle. Que dis-je ? Vous étiez en maternelle quand j'ai commencé à faire ça. Et là, on est là ensemble. Je suis là. Bref. Ça s'est bien passé, c'était bien organisé, ça a pas trop duré longtemps. Il est 15h moins le quart, ça devait durer 2h et ça a duré 1h30, quelque chose comme ça. Donc c'était très sympa. J'ai pu me maquiller avec le nouveau fond de teint de Huda Beauty qui a l'air vraiment cool. Je suis trop contente d'avoir assisté à cette masterclass parce que en fait ce fond de teint me faisait grave de l'œil depuis archi longtemps et bah, trop contente de l'avoir testé. Et qu'il ait vraiment l'air d'un filtre, c'est sur la peau, c'est juste dingue. Alors comme d'hab, moi, avec mon sous-ton neutre, golden, on ne sait pas, donc on m'a donné deux fonds de teint. Mais en fait, effectivement, je vous mets ici la teinte qu'ils m'ont donnée et qui fonctionne sur moi. En tout cas, c'est hyper agréable à utiliser, on peut augmenter la couvrance. Et vraiment, c'est bien. Vraiment, je suis une grosse fan de Huda Beauty dans tous les cas et... Là, c'est une bonne chose. Maintenant, vous vous rappelez dans mon précédent vlog quand je devais aller dans un endroit et au final, j'ai pas pu aller à cause des embouteillages. C'est à 400 mètres.
ça veut dire 8 minutes de marche. Un, j'ai envie de faire pipi. Deux, je suis en talon. Donc, je vais aller en voiture, voir si je peux me garer pas loin. Et comme ça, du coup, on découvre ensemble. Je crois que je vais aller récupérer une tenue de chez Diarra. Eh bien, Cerisette, bon. Est-ce que j'ai été chez FK Marais? Absolutely not. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je ne trouvais pas où me garer. Il y avait énormément de monde. Il s'est mis à pleuvoir. Ça m'a découragée. Du coup, je me dis, on doit encore aller sur Paris demain. Donc, c'est un problème pour la moi de demain. Et du coup, c'est parfait là d'avoir un petit temps qui n'était pas forcément prévu là avec vous pour pouvoir vous parler de quelque chose que je teste depuis 3 ans maintenant. C'est vrai, ça fait un bon moment maintenant que je teste. Que j'utilise. Là, comme ça, je vous montre. Luxéol, je l'utilise vraiment par période de 3 mois en fait. Souvent début et fin d'année. Donc là, en septembre avec la rentrée. Et puis en janvier, je me fais aussi une petite cure pour la pousse. Alors là, forcément, j'ai ma perruque, je l'ai posée, je suis toute maquillée, toute habillée, etc. Je ne vais pas vous montrer, mais je vous affiche des photos en fait de tout simplement de mes cheveux qui poussent. Enfin. vous le savez que je vais beaucoup mieux, notamment parce que je prends de la ashwagandha pour pouvoir réguler mes émotions, du coup être moins sujette au stress et donc moins avoir des crises de trichotillomanie. Ce qui fait que je peux laisser un peu plus tranquille mes cheveux et me mettre dans une perspective de pousse en fait, de cheveux. Et donc je profite de cette belle collaboration avec Luxéol pour vous parler du protocole croissance. Alors, c'est quoi le protocole croissance? C'est plusieurs produits ensemble. Voilà. Donc vous avez ici le shampoing, le conditionneur et le sérum que l'on applique directement sur la tête et ça va venir augmenter la longueur de vos cheveux, tout simplement. En fait, cette gamme croissance là, mais combinée avec les gummies dont je vais vous parler également, donc vos cheveux vont venir pousser plus long et plus vite. Au niveau donc du shampoing et de l'après-shampoing, alors il est recommandé de l'utiliser 3 fois par semaine, mais moi, je vais vous dire la vérité, je ne l'utilise qu'une fois par semaine parce que je me lave les cheveux qu'une seule fois par semaine. Voilà. Pour ce qui est du sérum, comme j'ai des nattes, tout simplement, je l'applique dans les rainures de mes nattes tous les soirs. Donc là, on est vraiment sur une utilisation quotidienne. Et là, quand vous faites vos shampoings. Là, personnellement, je suis en plein dans le protocole, donc je ne peux pas forcément le constater. Mais il est prouvé, c'est la marque qui le dit, qu'en 3 mois, les cheveux vont augmenter de 6 cm. Ça fait genre ça. Et c'est non négligeable sur la tête. Il y a quoi dedans? Tout simplement de l'huile de ricin. C'est assez typique, je pense, pour vraiment accélérer la croissance du cheveu. De l'extrait d'amla. Donc pareil, si vous utilisez de l'huile d'amla, vous connaissez, c'est les ingrédients qui sont essentiels dans la croissance du cheveu. Et il y a également du ginseng, mais ne me demandez pas à quoi sert le ginseng pour les cheveux, je ne sais pas. Alors vous connaissez forcément Luxéol, c'est une marque française spécialiste dans les compléments alimentaires et également les produits cosmétiques dédiés aux cheveux. Alors c'est hyper facile à trouver, je pense que vous l'avez vu dans toutes vos pharmacies, donc j'ai même plus besoin de le dire, dans toutes les parapharmacies également. Et ils m'ont précisé quelque chose parce que j'avais en tête, je me posais la question de me dire, oui mais est-ce qu'il n'y a pas un effet placebo? Parce que les cheveux poussent dans tous les cas en fait. Donc est-ce que le fait d'utiliser ça, je ne suis pas en train de me dire que ça fait pousser les cheveux, etc. Et en fait, ils m'ont répondu qu'en fait, ils ont des essais cliniques contre l'effet placebo. En fait, c'est cliniquement prouvé. C'est prouvé de manière que l'effet placebo ne soit pas pris en compte. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous l'avez vu avec l'ashwagandha. Facile et plus simple, c'est le gummies. Et il vous suffit de prendre tout simplement, en plus je ne les ai pas prises aujourd'hui, 2 gummies par jour. Et en fait, vous avez votre apport journalier essentiel pour la croissance de vos cheveux. Si vous avez envie d'augmenter la longueur de vos cheveux, une meilleure croissance, une meilleure santé de mon cheveu. Et en fait, tout simplement, ce code promo vous donnera moins 30%. Je trouve que c'est quand même conséquent. Moins 30% de réduction directement sur le site officiel de la marque. Donc voilà, je vous laisse un petit temps de détente. Là, je vais me faire mon petit repas pour pouvoir cliquer directement en barre d'infos. Puis je vous dis à tout de suite pour pouvoir vous expliquer un petit truc qui va se passer ce soir. Alors, du coup, je mange mes pâtes au saumon avec un peu de salade. Je suis affamée et ça me permet de vous expliquer un petit peu là où je vais ce soir. On est mieux comme ça. Désolée, j'ai tellement la dalle.
Il est 16h. Et je ne vais pas manger de la journée. Oui, alors vous savez que j'adore le podcast Affaires Sensibles avec François Drouet. C'est un podcast France Inter. Raconte un peu des faits d'actualité. Pas d'actualité. Des affaires qu'il y a eu. C'est pas du true crime hein, du tout, mais la culture G. La culture G. Des événements qui ont eu lieu dans l'histoire. Et c'est super intéressant, et surtout avec la voix de François Drouet, qui est juste incroyable. Et que j'adore. Enfin, c'est pas tout le monde qui aime, mais moi j'aime beaucoup. Et François Drouet fait un spectacle au Bon Marché, un grand magasin, dans Paris, où il y a 10 dates, où il va parler de 10 monuments parisiens, un peu sous forme de... C'est même pas conférence, mais genre... podcast, mais animé avec un, je crois qu'il y a un piano, un truc comme ça. Et de gros monuments de Paris, genre Notre-Dame de Paris, Pompidou, la pyramide du Louvre, ce genre de truc. De toutes mes copines qui peuvent être intéressées par ce genre de truc, c'est forcément Yasmina à qui j'ai pensé. Donc je rejoins Yasmina sur Paris. Pour qu'on y aille, on a choisi la Tour Eiffel, celui sur la Tour Eiffel. Vous pouvez aller directement, je vous mets le lien, les infos, et pouvoir vous inscrire aux autres dates si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si vous en avez juste pas entendu parler. Et j'ai hâte de pouvoir y aller. C'est à 21h15, donc c'est plutôt le soir, donc ça c'est super cool pour les mamans. Et puis voilà, donc je finis mon repas. Je vais bosser un petit peu sur Cerisaire parce qu'on lance une nouvelle texture. Vous l'avez ici, une nouvelle texture en clipping. C'est Cambodian Curl. Et donc c'est un peu plus loose, mais en même temps un peu plus serré que les kinky curly qu'on a d'habitude. Voilà. Et donc du coup, voilà, je vais faire un peu de contenu sur Instagram en rapport avec cette nouvelle texture. Et puis après, on y va. Bon, donc je suis au parking du Bon Marché. Le Bon Marché est fermé. Trop bizarre, on va aller voir ensemble. Ok, donc j'ai appelé Mina et on se rejoint à la bonne entrée parce qu'on n'est pas sorti au même endroit. Je pense que ça va être trop trop cool. Mais oh, moi je suis sortie là. Oh bah. Voilà, on va go. Eh, on a le même sap un peu. Regarde. J'hésite. Allez, tiens, regarde. Yes. On a peut-être un petit guide. Je l'ai imprimé du coup. Quand les portes ferment, c'est fermé. Endless pain, it's all I know. Hurt me more or let me go. In this game, my heart will lose. Change your ways or set me loose. Endless pain, it's all I know. Pour m'inventer, mais tout le monde me connaît. Allez n'importe où à l'étranger, dites au premier guide invenu que vous arrivez de Paris. Réponse immédiate. Ah, Paris, la Tour Eiffel. Eh oui, je suis comme le nez au milieu de la figure de la capitale. Je suis la dame de fer, la plus grande, la plus élancée, admirée et imitée dans le monde entier. Alors autant vous prévenir, j'aime bien parler de moi. On me voit comme... terminé. Et je vous conseille de l'acheter et de consacrer aux Beatles, qui est pour la...
Salut Sabina, au parking, et donc là moi aussi je descends. Ouh, il fait froid et j'ai un peu peur. Je le commence encore en panique. Je suis au Galerie Lafayette pour l'événement Véléda et vous venez avec moi. Avec jour, maté la sape. Attendez, vous n'avez même pas bien vu encore. Alors, le Congo va montrer qui est qui, qui a mis l'eau dans le popo. Let me try, we just go with emotions. Close your eyes, ease your mind for a moment. Need no smoke to make you feel you floating. You no joke or you pressure, you know it. I don't fall under pressure, I be handling business. Get it finished, no extras, don't get into specifics. Wave maker, I came up out the Pacific. No, you don't trust what you can't see. Some things are left to believe in. I just wanna know you believe me. You feel nothing good in life would be this easy. You don't trust what you can't see. But some things are too good to believe in. I just wanna know you believe me, yeah. How could I lie? Non, c'est bon. Ma chère. Bon, alors, en fait, on marche archi doucement. Escargot. Parce qu'on a mal aux pieds. Ça fait tellement mal. J'ai l'impression d'accoucher à chaque pas. Voilà. Et en fait, on est. C'était à quelle heure qu'on est arrivé? 21. À l'endroit là-bas ou tout court? À l'endroit. 21h30. Oui, mais là, on marche en talons depuis 21h. 20h. Ouais. Moi, pour ma part, je suis venue en talons. Voilà. Et en fait, là, il est minuit. Et on a tellement mal. Mais on est obligé de garder la face. Voilà, donc on marche doucement, les mains comme ça, comme si on se balade. Alors qu'on a vraiment pensé à prendre un Uber jusqu'au on parc. Fait 50 mètres. Oh my god. Oh putain, oh, that's nice. Wow. Tu veux me prendre une photo? Hey, babe. Regarde. Allez. Et mes cerisettes, voilà le style de la go aujourd'hui. Et donc là, je vais à la Sephora. C'est le gros événement de Sephora chaque année. Et grosse messe. L'année dernière, j'y étais pas allée parce que vraiment, c'était au-dessus de mes forces. Mais là, j'y vais avec mon agent, donc je serai pas toute seule. Voilà, voilà. Allez, on y va. Ah, en tout cas, je suis vraiment trop contente de faire ce vlog avec vous là depuis et qu'on se suive depuis tout ce temps. Je suis fière de moi d'avoir tenu un vlog sur 3 jours. Always gotta keep my head up. Always gotta keep my eyes up. Smoking dope, got my eyes low. All the drugs kill my idols. Everybody got me fed up. Reminisce when shit was better. But was it really ever better? But did I feel like this forever? Always gotta keep my head up. Always gotta keep my eyes up. Smoking dope, got my eyes low.
off the drugs, kill my idols. Everybody got me fed up. Reminisce when shit was better. But was it really ever better? Or did I feel like this forever? Step outside. When's the last time I stepped outside? I was probably feeling like I wanna die. Around the last time I said I'm fine. When she asked, did she hurt me? I couldn't help but fly back in time. Felt like every pathway aligned. Deja vu, I felt days combined. Deja vu, I felt days combined. I escaped the loop and watched it all unwind. And I saw it straight for the first time. In a form and shape that was by design. Felt like tunnel vision when you get revived. Like I seen a light, like I opened blinds. Like, I could feel the shine. I was looking forward and could see behind. Yeah. This ain't what I want, ain't what I want, it's what I need. It's what I need. I've been here before, just couldn't see. Last time I fell down, could barely get back on my feet. Back on my feet. I put myself out just to watch it all repeat. This ain't what I want, ain't what I want, it's what I need. Rentrée après ce super déj avec Tania. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas déjeuné ensemble, mais vraiment, quand je vous dis longtemps, c'est des années. Hein. Vraiment, celles qui sont là depuis le début savent que Tania et moi, on était des toutes jeunes influenceuses au début et tout et tout. Et du coup, on se fréquentait beaucoup. Et en fait, la vie et tout, et les différents boulots de l'une et l'autre ont fait qu'on n'était plus forcément invités au même truc, etc. Et qu'on se voyait uniquement dans le cadre des cousinades, mais du coup, uniquement elle et moi, ça faisait archi longtemps, et ça m'a fait vraiment hyper, 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 hyper plaisir d'avoir ce moment, en quelque sorte, privilégié avec elle, donc c'était une chance, et c'est là qu'on se rend compte qu'on passe pas assez de temps, des fois, de qualité avec, avec les gens qu'on aime, tout simplement. J'ai adoré faire ce vlog de 3 jours, je me suis sentie absolument pas seule. J'avais beaucoup d'événements, beaucoup de trucs de sociabilisation qui ont eu lieu pendant ces 3 jours. Et de savoir que, en fait, je vous les filmais et que j'allais vous les partager, que vous allez finalement en quelque sorte les vivre avec moi, ça me faisait du bien en fait. Je me disais, n'arrête pas de filmer, elles doivent suivre, elles doivent comprendre, elles doivent voir, tu dois leur partager. Et ça m'avait manqué de ressentir ça. Donc merci tout simplement d'avoir été avec moi durant tout ce temps. Je me rends compte aussi que mon introversion prend des aspects un peu polymorphes aussi. Lorsque c'est par exemple dans le cadre professionnel, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de facilité maintenant qu'avant. Je sais aussi un peu plus, entre guillemets, le gérer et l'accompagner et le vivre, en fait, tout simplement. Donc, quand je sais que je vais aller dans certains events, ça ne me dérange pas d'y aller seule. Mais il y en a certains où je préfère avoir avec mon agent. Il y en a certains où je préfère aller avec des amis. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est comment moi, je me sens. Et je suis contente d'être aussi tendre avec moi-même. À 34 ans, ça a mis le temps, mais ça y est, et voilà. En tout cas, j'espère que de tout cœur que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire. Et puis également à me suivre sur Instagram. Ça fait du bien de savoir que mes youtubeuses, ma communauté de YouTube est là aussi pour me soutenir sur Insta. Et puis
puis voilà, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.